un pays exemplaire avec une jeune génération dynamique dans l'entrepreneuriat. Tel est notre souhait pour notre patrie le Bénin, et c'est ensemble que nous allons y arriver. Jeunes, restons solidaires dans ce combat car la solidarité était plus forte que tout. Plus on est ensemble, plus la victoire est à nous. Ce sont là les propos de Lionel Talon et de Karen Talon, fils et fille du président Patrice Talon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous devez savoir de Lionel Talon et de Karen Talon. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. C'est parti. Âgé de 36 ans, Lionel Talon est le jeune fils unique de Patrice Talon et de Claudine Benagnon. Frère de Karen Talon, diplômé de l'Université de Boston, il est sans doute un bel homme avec un look bien soigné, d'autant plus que ses apparitions sont rares. En décembre 2019, avec la collaboration du groupe Accor, il inaugure le nouveau visage du Novotel Hotel Orissa de Cotonou, un hôtel qui était sous les travaux de rénovation depuis 2 ans. Cette inauguration est qualifiée de jamais vue par les internautes. Depuis le début de la pandémie due au nouveau coronavirus, les apparitions de Lionel Talon se font rares. Le fils du président de la République aurait offert comme contribution à la lutte contre le coronavirus 10 000 cachets à la population béninoise, ce qui lui aurait coûté 6 millions francs CFA. Administrateur pour le compte de Patrice Talon au sein de FGM Sofaco, société spécialisée dans les engrais et les produits phytosanitaires, Lionel Talon séjourne régulièrement en Côte d'Ivoire afin de veiller sur les affaires de son père, qui possède des entrepôts dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Il doit cette fois s'entretenir avec Mamadou Sangafoua Koulibaly, le ministre de l'Agriculture, qui est très proche de Patrice Talon. Depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir en 2016, c'est en 2018 que Lionel Talon commence réellement ses apparitions publiques. Sa sœur Karen Talon, très peu connue, affiche une discrétion totale. Elle joue également à côté de son père un rôle très important dans l'empire de ce dernier, responsable de la direction commerciale de la Sodeco, société béninoise pour du développement du coton. Karen Talon, sœur de Lionel Talon, mariée le 16 juin 2016. En prélude à cette célébration, le couple, conformément à la tradition béninoise, avait déjà célébré le mariage traditionnel le 4 juin dernier à Porto Novo. Le mercredi 13 juillet 2016, le couple a légalisé leur union devant l'officier d'état civil en présence du président Patrice Talon, qui assistera aussi au mariage religieux le samedi 16 juillet 2016 dans la capitale française. Karen Talon est mariée à Eric de Souza, neveu de Chantal de Souza Yahi, l'ex-première dame. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos proches. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. 229 Média Info, toujours proche de vous.